Ce geste d'engagement puisse, Seigneur, être agréable, mais aussi contribuer à notre joie. Bénis tous ceux qui se sont déplacés, que ce service que nous offrons puisse être agréable. Assiste-nous, nous en prions, et que tout se passe pour que ton nom soit glorifié, pour le salut de cette âme, par Jésus, nous avons prié pour ta gloire. Amen. Alors, comme je ne sais pas la grande que la salle bonjour, souriez. Bienvenue. Alors, on présente avec Stan, Stan et tous les nouveaux baptisés qui se préparent. Et suivez le pasteur. Donc les différents candidats sont là. Si vous avez des noms,
N'hésitez pas à démuter vos micros pour nous les dire. Tandis que Stan, le pasteur, est un papa heureux tout à l'heure qui va voir sa fille se faire baptiser. Sourions. Donc, nous sommes au cœur de l'eau. Le pasteur va trop loin pour moi. Jean-Robert. Oui. Il y a Sandra qui nous suit aussi. Oui, Sandra, super. Elle est là aussi. La famille Sharp. Le fils de Sandra. Oui, le fils de Sandra aussi. San. Dan. Dan. Jazan. C'est trop loin. C'est trop loin. C'est trop loin. Ouais. Ils vont vraiment en profondeur. Hein. Qu'est-ce que tu dis? Ils vont vraiment en profondeur. Hein. Oui, mais c'est ça que je vois. Bon, on suit le pasteur. Oui, c'est le suivre au maximum. Je vais la trouille. Hein. Je ne sais pas s'il y a des chats au bois. Oh là là, les idos. On peut se mettre en même temps. Et ta voix qui m'appelle. Esti, tu as répondu à l'appel du Seigneur en ce midi et tu veux devant ce public déclarer que tu l'aimes et que tu veux l'aimer pour toujours. Donc, selon ta profession de foi et sous le nom du Seigneur Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donne quelques mots à ceux qui nous suivent. Quelques mots à ceux qui nous suivent en direct. Ah, très bien, merci d'être là avec nous et assistant à cette grande célébration. Le midi, nous avons 11 néophytes, 11 candidats qui ont déclaré leur amour pour Jésus. Et ils veulent aller jusque dans la vie éternelle, vivre l'éternité avec le Seigneur. En tout cas, Amen. Merci de votre soutien, merci de votre encouragement. Et nous croyons qu'avec les futurs, d'autres vont s'ajouter, puisque nous savons que tu appelles ces enfants. Amen. Voilà. Donc, participez pleinement avec nous. D'accord. Alors, pasteur, tu vas citer les noms au fur et à mesure, tu les connais mieux que nous. Voilà. Donc, la première qui a été baptisée, c'est une jeune de l'église, c'est Alexandrine Besny. Et là, nous avons Basile Loema. On va peut-être s'avancer un petit peu pour Loema. Voilà. Bonjour, Franciane. Bonjour, Patrick. Mélissa va bien? Les amis, c'est un moment de baptême. Événement de baptême, merci. Loïma, tu t'es appelé et tu as voulu offrir ton jeune cœur au Seigneur. Nous savons que le Seigneur va t'accompagner puisqu'il a promis. Et à travers toute ta vie, toujours, pense à cet engagement que tu prends cet après-midi. Ainsi, selon l'ordre du Seigneur Jésus, je te baptise, Loïma, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue, alors bienvenue, sœur Basile, Loïma. Apprendre le bien tel qu'il est. Pour tout changer, sauveur,
fait partie aussi du jeu. De Dieu, je viens, je viens. Bah, je viens. Est-ce que c'est bon? Teddy, est-ce que tout passe correctement, s'il te plaît? Absolument. Ok, je te remercie, Teddy. Par contre, si tu pourrais dire aux autres de tourner leur téléphone, ce serait bien. Alors, Bertrand, tu nous entends? Tourne ta caméra autour. Bastien aussi. Tourne ta caméra autour. Non, mais c'est surtout la mettre en mode paysage, pas portrait, comme toi. Ok. Bastien, super. Bertrand, change ta caméra, mets en mode paysage. Et là, nous avons maintenant, nous avons notre jeune frère, Hachi Yassad, qui va donc sceller son engagement. C'est un grand jour pour toi, Yassad. Yeah. Merci, Seigneur, d'avoir appelé aussi Yassad, qui, ce midi, devant ses témoins, s'engageait pour le Seigneur. Il est jeune, mais lui aussi, le Seigneur a promis d'être avec lui. C'est ainsi que Yassine, selon ta profession de foi et sous l'ordre du Seigneur Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À tout pardon, et en retour, je veux être à toi, Père. Ce jour, Agneau de Dieu, je viens. Pour le Seigneur. Je viens. Malgré les conditions sanitaires, malgré cette période de confinement, mais Dieu a appelé et ses enfants ont répondu. Et nous avons la joie, l'habitude de pouvoir recevoir de la famille de Dieu. C'est quelques 11 candidats, 11 frères et sœurs. Et avec la grâce de Dieu, ben, d'autres se préparent. Nous continuons à les encourager, à prier pour eux, à les encourager. Et nous savons que c'est par cette communion fraternelle pour notre monde. Nous recevons Sandra, habituée pour ceux qui sont sous le jour. Hein, Sandra est toujours là avec nous. Eh bien, Sandra, c'est ton bonjour. Ça va? Ça va. Sandra, Jésus a appelé, tu as répondu à son appel et tu veux devant ses témoins, tant humain que céleste, tu veux démontrer ton amour pour Dieu. C'est pourquoi, selon ta profession de foi et sous l'ordre du Seigneur Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. En attendant son glorieux retour, je suis gardée par lui de jour en jour. Jour après jour, gardée par son amour. Jour après jour, à l'abri de ton aile. C'est le repos, c'est la vie éternelle. Je t'appartiens au Sauveur pour toujours. Donc nous voyons que ce n'est pas seulement à Boissard, mais dans toutes les églises, dans toutes les communautés, Dieu appelle ses enfants. Et ce que nous devons faire, c'est continuer à les encourager. Nous accueillons maintenant notre sœur Charles Jade. Bienvenue. Voilà, le grand jour est arrivé. Jeanne,
tu as ouvert ton cœur au Seigneur parce que tu as compris que seul Jésus est la solution. Et c'est pourquoi en ce midi, selon ta profession de foi et sur l'ordre du Seigneur Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jette sur moi son étendard auguste et son regard qui me fournit le tien. Bénédiction, alors tous nous sommes en quelque part, c'est bon, on a dit. Jour après jour, garde son amour. Chantal, qui est toujours sur le Zoom avec nous. Chantal est fausse. Et là, bienvenue Chantal. Bienvenue Chantal. Comment vous êtes pour toi? Tu es grand. Tu es grand. Donc c'est tombé Chantal. Chantal, Dieu t'a appelé. Tu as répondu à son appel. Et tu as voulu en ce midi te réengager avec lui. Non seulement sur cette terre, mais pour la vie éternelle. C'est pourquoi, selon ta profession de foi et sous l'ordre du Seigneur Jésus, je te baptise, Chantal, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci pour moi. Au nom de ta voix qui m'a fait, Jésus, je t'aime à toi. Tel que je suis dans ma vie. Dieu nous invite à faire cette expérience. Cette expérience de cette beauté de vie. Moi, tant qu'on n'est pas passé par cette expérience, on ne peut pas comprendre que notre vie, c'est vrai que c'est de l'eau, mais le symbole est grand. Il parle le symbolisme de l'eau du baptême. Eh bien, quand on plonge le candidat, eh bien, on le plonge dans ce tombeau liquide où, pendant quelques secondes, il va abandonner tout ce qu'il a, il va le laisser dans le tombeau. Et quand on le relève, maintenant, il est ressuscité à une nouvelle vie. Il a une nouvelle vie devant lui. Et à ce moment-là, avec Christ, eh bien, il va reproduire son caractère. Et c'est ce caractère-là qui va pouvoir lui permettre de vivre l'éternité avec le Seigneur. Donc, c'est quelque chose. Amen. Pasteur, tu encourages d'autres à se préparer. Ah oui, 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 j'encourage. Mais j'encourage aussi tous les membres de l'Église d'encourager les autres à comprendre que Dieu appelle et que Jésus revient. Et il faut que nous puissions sympathiser avec eux. Il faut que nous puissions leur montrer combien il est important aujourd'hui de pouvoir s'engager. Jésus revient. Il faut que nous puissions nous préparer. Alors, c'est notre ami Katia. Au moment, eh bien, chemine avec Dieu. Et ce midi, elle veut s'engager publiquement avec le Seigneur. Donc, c'est un nouveau parcours, un nouveau chemin, un cheminement que je vais découvrir petit à petit. Ah, petit à petit. Très bien. En espérant que je tienne fort. Ah oui, ah oui. Mais le Seigneur va te tenir. C'est lui D'accord. qui tient et si tu le laisses te tenir, il va te tenir. D'accord. Katia, ce midi, a pris cet engagement de laisser à Dieu le soin de diriger sa vie. Et elle veut que le Seigneur
tienne sa main jusque dans l'éternité. C'est pourquoi, selon ta profession de foi, Katia, et sous l'ordre du Seigneur Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je réclame de ta promesse par la foi. Et pour moi, délivre mon âme. Jésus, je viens à toi. Katia, et parmi. Une personne que je connais parce que elle a vécu certaines fois avec nous. Avec le tout. Une personne qui a aussi connu Jésus et qui a passé par des expériences. C'est une personne qu'il faut beaucoup prier pour elle parce que elle est atteinte d'un cancer et Dieu a déjà fait beaucoup de bien. Mais elle est le bon point. Elle s'accroche. Richie, mets ta caméra en paysage. Richie, tu m'entends? Ça va. Yes. Stan, dis à Richie de mettre en paysage. Dis à Richie en plan. Mets ta caméra en paysage. Pasteur, quand tu vas me plonger, la tête en arrière, la tête en avant. Le Thibaut, tu sais, ça serait un peu compliqué. Parce que la différence, je pourrais pas supporter. Mais bon, on dirait. Ça peut être un peu en France. Ah, attends, attends. C'est bien, en tout cas, c'est un grand jour. Bonjour parce que le seul est en fait. Le texte biblique dit pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors là, ce midi, c'est multiplié par 11. Alors imaginez un petit peu la joie dans le ciel. Multiplié par 11, ça fait un chiffre qu'on ne peut même pas comprendre. Parce que c'est un grand chiffre, ça. En tout cas, félicitations de pouvoir avoir mis vos pieds à la terre du Seigneur. Parce que le royaume des cieux est ouvert à tout un chacun. Et tant que le Seigneur n'est pas revenu, il y a encore de la place. Quand il va revenir, ça veut dire que la dernière place est prise. Dernière place. Tu peux y aller? Pause. Ce midi, Dieu a appelé et tu as répondu à son appel. Et comme Jésus le dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Tu as ouvert la porte de ton cœur et tu as fait entrer Jésus. Jésus, il est content de pouvoir demeurer en toi. Et c'est pourquoi il dit, je ne t'abandonnerai jamais. C'est pourquoi, selon ton engagement et selon l'ordre du Seigneur Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec une volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre, en attendant le glorieux retour. Je suis gardé par lui de jour en jour. Jour après jour, toute personne qui désire se faire baptiser, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle me contacte. Et
elle me contacte au 06 90 34 85 79 et nous allons commencer à l'instruire, à l'accompagner, puisque pour se faire baptiser, il y a un accompagnement. Il faut que nous puissions au moins nous engager sur une certaine base biblique. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on fait, quel engagement on prend, parce que c'est un engagement pour toute la vie. Et c'est pourquoi Dieu voudrait au moins qu'on ait un minimum. Et c'est pourquoi l'Église maintenant, l'Église se positionne pour pouvoir accompagner maintenant tous ceux qui entrent, puisque Jésus a dit ensuite après, enseignez-leur, après le baptême. Donc il y a un enseignement avant, mais il y a aussi un enseignement après. Et Jésus nous encourage maintenant à continuer l'enseignement quand la personne maintenant entre au sein de l'Église. Donc tous ceux qui le veulent, il n'y a aucun problème. Jésus appelle, donc répondez à cet appel. Il y a encore de la place. Dieu appelle les jeunes, cette jeunesse qui a toute sa vie et toute la vigueur, n'est-ce pas, Dylan? Dylan s'est engagé à servir le Seigneur même avant de pouvoir s'engager pleinement. Mais ce midi, il me dit, Seigneur, je veux me donner pleinement à toi. Il a ouvert son cœur. Et ce midi, Dylan, selon l'ordre du Seigneur Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sur-moi ton étendard, Auguste, et son regard qui me sourit des cieux, jour après jour me rend victorieux. Jour après jour, gardé par ton amour. Jour après jour, à la il a décidé ton de ne pas le faire juste pour le faire, mais de le faire pleinement. La vie éternelle, nous voulons je t'appartiens que tous nous soyons, nous mettons notre toujours. Nous donnons les capacités que Dieu nous donne au service du Seigneur. Et je crois qu'il y a encore d'autres dons, que nous avons encore d'autres dons pour mettre au service du Seigneur. Alors, ouvrons nos cœurs à Dieu et soyons dans le service. Et comme nous l'avons dit, eh bien, permettons que le Saint-Esprit fasse son travail et que d'autres encore se donnent au Seigneur. Welcome. How are you, my brother? Excellent. Wonderful day. How you feel? Change in life. Je suis heureux. C'est une vie qui change en ce jour. Voilà. Je me sens très bien. Ami Sharp. Sharp. Michael. 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 I say Michael, but it's Michael. Michael. Michael a répondu à l'appel du Seigneur. Il a cherché, il a trouvé le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est pourquoi ce midi, Michael, selon ta profession de foi et sous l'ordre du Seigneur Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ok, you are welcome. C'est joie.
Je connais des gens de 70 ans, 80 ans qui ont été baptisés, qui ont pris de nouveaux départs. Et ils ont rajeuni. Hein, ils ont rajeuni parce que quand on accepte Christ, il y a quelque chose qui se passe même dans l'esprit. L'esprit devient. On a une autre vision des choses qui nous entourent. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je ne vous pas aider. Il faudra prendre ses lunettes. Ouais. Joseph. Buzus. Voilà. Ce qui n'est pas facile à prononcer. Il n'est pas facile à prononcer. Mais on va s'habituer. On va s'habituer. On va s'habituer. J'ai rêvé ça hier soir, pasteur. J'ai rêvé ça. Oui. Tu imagines? J'imagine. Je ne sais pas pourquoi. J'ai rêvé ça. Quand j'étais dans mon nom, j'ai dit c'est pas possible. Mais est-ce que tu sais? Vous avez parlé. Est-ce que tu sais que ton nom était pour le mois d'août? Et il est tombé. Et tu as vu quoi? Moi-même, je ne sais pas. C'est les oreilles. Je ne sais pas. On va revenir quand même. Moi, donc, moi, je ne fais que me plier. Et voilà, on est donc, tu vois là, comme ça. Ouais. Et celui-là aussi. Voilà. Donc, je te pose, d'accord. Je viens pour toi. Allons, ton nom de famille, si je veux. Joseph. Et ton prénom, c'est Louisius. Louisius. Dieu a parlé et Louisius a répondu à l'appel du Seigneur. Ce matin, devant vous, devant le ciel, il veut démontrer au Seigneur Jésus qu'il l'aime et qu'il veut aller jusqu'au bout avec lui. C'est pourquoi, Louisius, selon ta profession de foi et sous l'ordre du Seigneur Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pieds à la croix, me charger de pesant fardeau, là tu pourras soulager le vrai repos. Voilà. Viens à la croix, à ma faiblie. Nous avons eu la joie de pouvoir accompagner, parce que nous les accompagnons, hein. Nous ne pouvons que les accompagner. Candidat, que nous suggérons et nous conseillons vivement aussi que vous puissiez accompagner ces frères, prier ces frères et sœurs, prier pour nous, afin que nous continuions en route et que quelles que soient les difficultés, qui restent en prière en Jésus. Alors, dans le Seigneur. Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, en ce midi, combien notre joie est grande. Joie de partager cette joie qui aujourd'hui, Seigneur, est célébrée dans le ciel. Nous avons eu la possibilité d'immerger 12 néophytes, 12 seigneurs précieuses âmes qui ont décidé de s'engager pour l'éternité avec moi. Ce midi, nous te les présentons. Oh Seigneur, nous savons que le malin ne manquera pas de les déstabiliser, de les bousculer, d'essayer de voir s'ils changent d'avis. Mais nous savons aussi que le Saint-Esprit a déjà mis en place tout ce qu'il faut pour que leur cheminement sous cette terre les amène jusqu'à l'éternité. C'est pourquoi, Seigneur, nous te remercions pour les anges que tu as mis à leur côté, pour les frères et sœurs que tu leur as donnés pour ton Église, afin que cette Église puisse les encourager, les accompagner, les fortifier, que l'amour, Seigneur, puisse se dégager et que eux aussi deviennent aussi des disciples qui attirent d'autres âmes à toi. Alors qu'il y a encore d'autres places qui ne sont pas encore prises dans le ciel. Nous te prions, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui entend
et qui a vu et qui voudrait, Seigneur, t'accepter, que, Seigneur, cette personne puisse ouvrir son cœur et que le Saint-Esprit puisse l'attirer à toi. Merci, notre Dieu, que tu puisses continuer à nous bénir, à nous fortifier et que nous puissions ainsi terminer cette journée de sabbat dans la joie, dans la félicité éternelle avec toi. Nous t'avons prié en Jésus. Amen. 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 Ok, je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre programme et j'espère que vous avez, on va dire que vous avez pu suivre un petit peu ce programme. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à faire le live en direct. Merci beaucoup à vous. Et merci tous les autres. Là, j'essaie de voir si je trouve une autre personne qui voudrait faire un témoignage parmi les candidats. Mais je vois que le pasteur appelle tout le monde. On y va. J'essaie de remettre mon masque. J'ai voulu vous parler sans masque. Bienvenue dans la famille. Les chambres. C'est censé que nous allons chanter en attendant que les autres nous rejoignent. C'est censé. Nos joyeux bénissons le Seigneur. Chantons les plus forts de nous. Croyons à l'espoir et de bienvenue à notre premier ancien, Frère César, qui aura le privilège donc d'accueillir ses nouveaux frères et sœurs. Je vais vous accueillir avec autant de chaleur. J'ai entendu un petit peu toutes ces voix qui se sont élevées en exclamation. Seigneur, ce matin, nous sommes dans la joie. Et nous sommes, et quand je suis dans la joie, j'aurais trouvé pour nous trouver un mot plus fort pour exprimer ce que j'ai à l'intérieur. Mais c'est, et ce que j'exprime, c'est ce que chacun ici ressent. Ce plaisir, cette allégresse que nous avons
de ce que vous avez donné votre cœur à Jésus. Et aujourd'hui, le ciel, de même que nous vous accueillons dans l'Église, le Seigneur Jésus aussi vous accueille dans sa famille. Et vous faites aujourd'hui partie de la grande famille de Dieu. Et je suis sûr que parmi nous, il y a une ou deux personnes qui n'ont pas encore fait pris cette décision. Et notre vœu le plus cher, c'est qu'eux aussi s'engagent avec le Seigneur. Car il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre issue que de donner sa vie à Jésus si nous voulons échapper à cette vie trépidante, cette vie qui nous entraîne comme un tsunami vers la terre. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de regarder en haut, vers les choses célestes, vers les choses éternelles. Oh, il y a du plaisir sur la terre. Mais c'est un plaisir qui mène où? À la mort éternelle. Ce que le Seigneur voudrait, c'est que nous levons, regardions au ciel, pour que ce plaisir ne s'arrête jamais. Parce qu'à un signal donné, à la voix d'un enfant, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur Jésus reviendra. Et lorsqu'il reviendra, c'est pour que tous ceux qui ont aimé son avènement, qui ont choisi de lui donner leur vie, puissent être avec lui et pour toujours. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Et ce que nous vivons en ce moment ne s'arrête pas jamais. Puisse ces paroles rester dans nos cœurs et nous stimuler chaque jour. Tout à l'heure, je parlais avec Père Joseph qui me faisait un peu allusion à ça, à son chemin de vie. Et comment il est arrivé au Seigneur? Et je lui disais, mais mon frère, tu es miraculeux, un miraculé. Le Seigneur a fait dans sa vie des choses extraordinaires. Et je suis simple de vous ici pour nous raconter une part de son expérience avec le Seigneur et comment il est arrivé là aujourd'hui. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment et que cette voie sur laquelle vous vous êtes engagé puisse ne jamais s'arrêter. Ne jamais... Il y aura des obstacles. Ne croyez pas que vous êtes rentré dans un espace, dans un cocon. Nous ne sommes pas dans un cocon lorsque nous sommes dans l'Église du Seigneur. Parce que le malin aussi vient et sème l'ivraie et des graines pour nous décourager. Mais ne vous laissez jamais décourager. Rappelez-vous toujours que c'est avec le Seigneur que vous avez fait alliance et pas avec les êtres humains. Donc que les êtres humains ne viennent pas perturber ce chemin de vie, mais qu'au contraire, le Saint-Esprit vous fortifie, vous vivifie, afin que lorsque le Seigneur reviendra, que nous soyons tous avec lui, enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ma prière pour vous et pour moi-même ce matin. Amen. 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 Que nous avons pu vivre en direct certains éléments. Je pense que nous allons nous en tenir à ce programme à cet instant. Je vous donne rendez-vous à 18h30 pour la salutation du sabbat et la clôture du sabbat. Et si quelqu'un veut profiter de l'occasion, vous pouvez démuter vos micros. En tout cas, merci Tété et Francine pour l'agencement du direct.
avec nous en direct de la plage de Bas-Dieufort. Merci Jean-Robert, merci. Merci Jean-Robert, à bientôt. Du baptême. Merci Jean-Robert. Vous avez permis de vivre ce moment merveilleux. Merci, merci Jean-Robert. Merci. Bonjour Marie. J'enregistre le serveur. N'oubliez pas ça. C'est bon? Merci. Très bien, restez comme ça. Laisse-moi voir la photo. Merci pour ce partage. Je remets l'antenne. Merci pour tout. D'accord, merci beaucoup. Merci Jean-Robert. Et à très bientôt. Bye bye. Merci Jean-Robert. Merci, au revoir. Bye, bon midi. Bye bye.